Bonjour tout le monde, ici la meilleure des marmottes, j'espère que vous allez bien ensemble aujourd'hui pour une vidéo qui me tient particulièrement à cœur. Alors oui, je sais, mon maillot est magnifique, le nouveau maillot Millennium. Que disais-je? On est ensemble pour une vidéo sur un deck qui me tient à cœur, le deck Majordomo. Vous avez peut-être vu ma petite vidéo, sinon son Jean-Jean l'a regardé, petite vidéo d'une minute qui vous montre le létal avec 54 points de dégâts en un tour. Simplement pour héroïque, et ben je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, quel est le but de jeu? Le but de jeu, c'est de poser Chamberlain Exécutus. Quand il meurt, vous vous transformez en Ragnaros. Vous n'avez plus que 8 points de vie et pour 2 votre poids héroïque, mais 8 points de dégâts sur une cible au hasard. Donc, une fois que votre poids héroïque il est comme ça, vous mettez le drake de Frimara, du coup, vous pouvez en faire à l'infini. Vous mettez la demoiselle du lac, du coup, ça coûte plus, 1, plus que 1. Et ces deux créatures sont là sur le board, bah, du coup, pour 1, tu mets 8 points de dégâts en boucle à l'infini. Tu mets 80 points de dégâts en un tour, c'est n'importe quoi. Tout le but du jeu autour de ça est de survivre, d'où les hospices, d'où les moutons, les savants fous pour aller chercher les secrets pour survivre. Dupliquer qu'on met souvent sur les crash vases, le robot pour survivre, les drakes. En plus, pour mettre la pression. La petite justicière pour transformer le poids héroïque, ça donne une possibilité de létal un petit peu différent avec la boule de feu qui met du poids héroïque qui met 2 pour 2. Choc de flamme survie, Alexstrasza également pour un petit peu des fois blesser l'adversaire pour le one shot, même si on n'arrive pas à mettre toute la combo en un coup. Et voili voilou, ça nous fait tout ça. Donc dans le jeu, rien n'est vraiment remplaçable sauf Alexstrasza. On peut mettre un vrai Ragnaros à la place, on peut mettre un Ephraim, un petit peu ce qu'on veut. Mais c'est malheureusement tout bon, dupliqué également. C'est pas forcément ouf, mais par contre, je sais pas, on peut mettre un deuxième acolyte, deux trucs de soins en plus. Enfin bref, deuxième demoiselle du lac, mais c'est un peu les deux seules cartes remplaçables. On va le jouer tout de suite, je vais vous montrer comment ça marche. Les parties sont souvent assez longues, mais assez épiques avec ce deck. Roulement de tambour. Bon. Allez, on cherche un adversaire convenable. Sauf si Hearthstone plante. Si Hearthstone plante, trop de swag dans le jeu, Hearthstone ne veut pas fonctionner. Hearthstone pédale dans la semoule. Il pédale bien. Mais bon, Hearthstone m'a trouvé un adversaire. Tant mieux. Oh oh oh. Garrosh. Alors, Grim Patron, c'est un beau match-up. Gars à contrôle, c'est un match-up. What the fuck. Voilà. Pourtant, une bête départ en fait contre Garnier qui est bien. Parce qu'on n'a pas besoin d'avoir les justifiers en main départ. On a juste besoin d'un choc de flamme pour les Grim Patron plus tard. On l'a déjà, on le garde. Et justifier permet de gérer les créatures un petit peu ou de mettre la pression d'enlever son armure. Et c'est parfait également. Nouvelle gifle pour survivre. On est serein, on est tranquille. Le début de partie de toute façon va être assez calme. À moi qui joue un guerrier contrôle de l'espace que je ne dois pas venir dire bonjour. On va le mute. Surprise, tu es mute. Ok, barrière de glace. C'est un piocheau au prochain tour. Quasiment sûr. Et une petite fabricante. Rien d'oufissime ici, on se moque un petit peu de l'armure. De toute façon, si on place la combo, on met 80 points de dégâts. Alors, 10 ou 20 d'armure. Et ça porte, on a déjà de la demoiselle, on a déjà le chambellan. Il manque pas mal de cartes. Pour le reste. Pour le reste. Ok, le gain d'armure. No problemo. On prend le petit point à nouveau. Deux rechefs, le deuxième petit point. Oh, Torisan, très très intéressant, très très fort. On aime bien l'avoir très tôt, on baisse la demoiselle, c'est bien. On va peut-être attendre le petit drake de Frimara pour baisser également, comme ça on pourra faire 3-8, on pourra déjà faire double boule de feu. Le tour, on joue le chambellan. Le but, bien entendu, avant de jouer le chambellan, quand on joue le chambellan, quand on se transforme en Ragnaros, on perd l'armure. Mais par contre, ce qu'il nous reste, ce sont les secrets. Du coup, si on a déjà un bloc de glace avant, on ne pourra pas être one-shot. Et ben voilà. On l'a également, on a tout ce qu'il nous faut. Maintenant, le but dans cette partie va être de mettre la pression sur l'adversaire. Et ce Torisan devrait, au prochain tour, commencer à mettre la pression. Parce qu'on a tout. Après avoir, s'il met un truc qui le traite gratuit, une pièce. Bah voilà, Torisan également, à mon avis, en face. Donc on va devoir d'abord le métamorphoser. Justicière Cavré. Oh oh! Un Mirror, un guerrier contrôle. Et bien la partie va être complètement ouf, complètement longue. Et ça va être du grand n'importe quoi. Ah, pendant que nous avons Monsieur Hogar qui fait un petite apparition dans cette vidéo YouTube incroyable. Du coup, une vidéo avec un guest en plus. C'est fou. C'est complètement fou. Qui vient faire du bricolage. Mais on note quand même la différence entre un bricoleur du dimanche et un bricoleur comme Hogar. C'est un bricoleur avec classe. Monsieur bricole en costard cravate. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc moi j'étais en train de dire quoi? J'étais en train de dire que je vais faire une justifière du cœur vrai certainement ou Torisan. De toute façon il va forcément mourir en fait par tout le monde, c'est guerrier contrôle parce qu'il a forcément l'air de bouclier. Avec ça il va se donner 4 paquets par tour, je peux pas l'enlever. Du coup on peut essayer de faire provoquer un petit trade pour l'instant.
Tu peux, on va tenter. Dans tous les cas, on a baissé les deux cartes qu'on voulait, la demoiselle et le drake de Frimara. On ne peut pas en espérer davantage. Alors. Bon, ça fait semblant de réfléchir, c'est normal. Il se demande ce que je joue. Il doit se dire que je joue match freeze. Du coup, il se dit, je sais bien, voilà, le petit air de bouclier qui va pop. À moins qu'il tente le trade. Eh ben non, il fait le trade. Tant mieux, ça m'arrange. Imping. Ouyouyouy. Une morsure. Et avec lequel il va m'attaquer. Voilà, il se doute qu'il n'y a pas beaucoup de créatures. Et là, je joue la justifière. Il va se dire, what the fuck is going on? Il va se dire, c'est quoi ce jeu? D'où ça vient une justicière cœur vrai dans un mage? Et bien entendu, maintenant pour deux, on va ping ça en deux tours. Le regret de l'armure, mais comme je vous dis, ce n'est pas le grand drame de jeu, l'armure adversaire. On pioche autant, voilà, il va taper dedans, comme ça il perd un peu de son armure, il y a le pouvoir là. Prochain tour, on pourra faire savant fou, ping, et intelligence d'arcane. Ce sera un tour très 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 solide. Et qu'on aime bien. Ah, et sa face. Ok. Sans surprise, bon, on va les repasser, ça c'est 42 930. Oh, Docteur Balance, Docteur Boom. Métamorphose ou pas là-dessus? Normalement, on n'a pas trouvé de métamorphose là-dessus. Ah bah voilà, Auspice. Ça simplifie quand même vaguement la tâche. On va le tenter. On va mettre la petite Nova. On va mettre la petite droit 2. Tranquille Blue. Et on va baisser son armure. Espérons que ça passe. Espérons, espérons. Après, là-dessus, pour l'instant, sur le bouclier ne le tue pas. Il faudrait double R. Il faudrait une créature plus exécute. Il va peut-être tout laisser être trade, simplement. En mode, je m'en fous un petit peu, Docteur Boom. À moins qu'il tente un YOLO Ranieros de l'espace. Une hache, exécute dessus. Dommage. À moins qu'il hache face. Oh, j'ai peut-être mal vu. Ah bon, face. Ok, un original. Pourquoi pas. Je prends 3, je prends 3. Après, il a peut-être tout simplement pas de moyen de me le détruire. Donc, on va repasser à 29. On essaie de forcer l'Alextrasi à l'Extrasa. Et on ping un petit coup. Voilà, 2, 4, 6, 7. Dès qu'on a un bloc de glace, on pourra quand même s'ambiancer à poser le chambellan exécutus. Voilà, il tape là-dessus. Bueno, bueno. Il va certainement poser un gros monstre, type Alextrasa, justement, Isera. Pas du tout, hein. Vase, crage. Bon, on va le choc de flamiser. Dans tous les cas, pas de raison. De toute façon, il n'y aura jamais moult créatures dans le match-up en face. Du coup, le petit move. Voilà, le deuxième savant fou. Donc, attention, il reste deux blocs de glace à dupliquer dans le pack. Du coup, si les deux pouvaient mourir et qu'on pouvait récupérer un drake de deux drakes de Frimara, ce serait au péché. Déjà, pour prochain tour, on peut commencer à ping à 4 par tour tout en posant une 6-6. Plutôt de type solide. Je vais pas vous le poser pour l'instant car j'ai pas envie qu'il meure. Bien entendu, ce drake, si on le pose tout de suite, il va se faire défoncer et on va être dans la tristitude la plus totale. Les étalons, on sent que Gal'dan il est un petit peu dans ça. La zone d'inconfort, parce qu'il ne comprend pas contre quoi il joue. En même temps, c'est normal. Ce jeu Majordomo, on le voit nulle part. Ah bah voilà, l'Extrasa. Elle est partie. Il a tout donné. Ah donc là, ce qui est énorme, c'est ce que je peux faire. C'est le Drake. Je n'ai même pas besoin d'utiliser mouton. Drake. Je te mets deux. Oh. Je te mets deux. Allez, j'ai cherché le bloc de glace et le dupliqué. Comme ça, ça va nous permettre de récupérer deux Drakes au prochain tour s'il le clean. Et s'il ne clean pas, bah écoutez, tant mieux pour moi. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Parce qu'au prochain tour, je pose la demoiselle et ça fait 14 points de dégâts par tour. Ça fait plaisir. En tout cas, je vais pas dire qu'on a l'avantage, je vais dire que l'adversaire ne comprend pas ce qui se passe. Puis au moment donné, il va prendre 80 points de dégâts, il va rage quit, il va balancer son PC par la fenêtre, et je serai content de moi. Alors, ce Drake, que va-t-il lui faire? En tout cas, on sait qu'il a pas d'heure de bouclier, une vierge guerrière a peut-être pioché son heure de bouclier entre temps. Ah, l'heure de bouclier. Ouais, l'heure de bouclier qui était plus. En fait, il pouvait déjà faire air de bouclier sur l'hospice tantôt. Il n'a pas voulu le faire. Pourquoi pas. Ok, donc on duplique la midrake. Du coup, on en a deux. Ce qui fait plaisir. Oh, Crash Vase. On aurait bien aimé le dupliquer aussi. C'est pas bien grave. Allez, Drake. On le met là. On va pouvoir commencer déjà à défoncer ça avant de penser à défoncer l'armure. Hein. De toute façon, au pire, il trade, il rajoute une exécution ou autre. Mais dans le cas où il veut le tuer avec un deuxième heure de bouclier, je veux pouvoir le détruire au prochain tour sans prendre trop de points de dégâts. Bien entendu, bien entendu. Puis après, peut-être faire péter le bloc de glace. Voilà, du coup, il fait le trade, exécute sous chef cruel. Peu me chaud, peu me chaud. C'était pas bien important. Ok, le trade qui est fait. Comme je dis, on n'est pas à 4 d'armure près.
Sous-chef. Oui, non. Sous-chef cruel. Oui, mana, est-ce que c'est un gros mâche? A priori, il n'avait pas gros mâche, ça ne leur fait péter le boubou. Clic-clic, le bouclier. Et le ré-armor up. Et ça sent la fin du tour. Ah, pas du tout. Et une deuxième vierge guerrière. Eh bien, écoutez. C'est la folie, c'est la folie. Oh, le mouton explosif, pas particulièrement utile pour l'instant. Et wrapping ça à deux. Plus quick card dans mon jeu. Spec un peu de chance, pourrait peut-être jouer le chambellan au prochain tour. Si jamais je peux faire chambellan ping, ça me paraît pas mal du tout. Voilà, ça fait. S'il me reste une 1-2, c'est très très bien. S'il n'a pas d'armes, c'est OP. S'il a l'arme, c'est plus compliqué. Il a Isera. On va peut-être attendre un petit peu avant la Midomo. On va peut-être attendre un petit peu. On va jouer la métamorphose à 4. Le petit ping à 2. On va draw de la carte. Dans un caribou en plastique. Ok, le deuxième bloc le classe très très bien. 2, 4, 6, 8. Voilà, donc on va tenter Majordomo au prochain tour. Cette fois-ci, si tout va bien, à nouveau. Son Isera, on est un petit peu obligé de la gérer. Attention. Une morsure. Mouais. Morsure, ça ne me tue pas en soi. Sérieux, ça c'est relou. Et l'armor up. Oh, deuxième crash vase. Tac, 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 j'économise des points. Je ne fais pas la ping, donc on va poser lui. Dans tous les cas, je prends que 9 au prochain tour. Je suis à 1. Je vais poser Majordomo ça. Commencer à tenter la combo ensuite. Allez, faut y aller. Dans la vie, foi de marmotte. Quand faut y aller, il faut y aller. Après, il n'a plus que 5 cartes en main. Du coup, je pense pas qu'il puisse mettre le 1 manquant. Faire BG Ashley va mettre 1. Il va mettre à 1. Quand je dis, je m'en fous un petit peu. Et après, crajoise, bloc de glace. Du coup, on va avoir un peu de défense. Après, on ping, on ping, on ping. Moi, que j'en disais, je suis cruel sur le monstrum. Je suis pas trop inquiet. On part quand même du principe qu'il n'y a pas de blast dans son jeu. Le principe assez juste, normalement. Qu'il n'y a pas de silence. Si par contre il y a un silence, je suis pas loin de pouvoir concéder. Ce sera beaucoup plus tendu s'il y a un silence. En tout cas, Majordomo, qui a l'air chambellan exécutus, qui a l'air d'être de le mettre en mode. Qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, je n'ai pas gagné. On va dire que je suis en très léger avantage. En fait, il faut que j'arrive à sa 9e dernière arme du jeu. C'est peu ces armes qui me font peur. Les créatures, ça va. Vu que j'ai pas de gel, il me reste encore un heal. Le truc, c'est qu'aussi, je veux pas mourir à la fatigue parce que je serai très bas en point de vie. Et je peux mourir à la fatigue malgré mes deux blocs de glace. Et ça, c'est également un petit peu tendu, 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 tendu. Ok. Ça, de plus, une solution a priori. Ah, le BGH. Comme prévu. Voilà, je passe à 1. Comme prévu. Bon, je ne passe même pas à 1 peut-être. Bah, je ne passe pas à 1. D'accord, intéressant. Ok, oh, choc de flamme. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime, mon choc de flamme. Allez. Et hop, on commence. Bonjour. Allez, tout en drag, double ping au prochain tour, potentiel. Là, il y a gros match qui peut encore péter un bloc de glace, mais il ne reste que 3 cartes dans le jeu. C'est 3 cartes là qui vont être un petit peu pénibles. Bah, après, il peut pas normalement descendre à 1, il me reste un augure. Il me reste Alexstrasza, Alexstrasza. Alexstrasza qui peut me remonter mon nombre de points de vie à 15 d'ailleurs. Même malgré Majordomo, il peut me remonter le nombre de points de vie au-dessus. C'est bon à savoir. Parce que clairement, si je joue Alexstrasza, Alexstrasza on my face. L'hésitation, une des cartes piochées, défense stoïque qui est rude, rude, rude pour moi parce que c'est beaucoup d'armure quand même. Je fais perdre que 4 par tour là. Alaï. Réfléchis, Galdan, concède s'il te plaît. Ah bah voilà, Varian Rim. Que va-t-il poser? Rien. Rien. 3 cartes draw. On doit pas être très très heureux. Malheureux Varian. Bah du coup Drake ping ping. Avec un peu de chance ça va le tuer. Alors autant Drake. Ping. S'il te plaît. Merci. Et on reping. Allez, 8 points de dégâts, on va laisser peser. Et un Drake sur le board. The board to be alive. C'est avant dernier Drake du jeu par contre. Ah. Chromash. Après, là, autant vous dire que si le Drake survit, prochain tour, c'est un petit peu la folie. Mais malheureusement, je perds qu'il ne survive pas. Acolyte, ok.
Maîtrise du blocage, ok. Ah, il faut que ça passe, c'est tendu. Oh, il face, ok. Il draw une carte, ok. Ah, erreur de bouclier. Tant pis. Tant pis. J'ai cramé presque toutes mes cartes. Alexstrasza est donc la dernière carte du pack. C'est bon à noter. Ah. Le plan relou avec cette carte, c'est que je peux plus ping ça à 100%. Bon, le tu sais très bien. J'ai rien d'autre à poser, c'est ouf, hein. Oh, il a presque plus de cartes non plus. Oh, je vais pouvoir tellement Malxtraza face. Ouh là là, cette fin de partie, ça va partir. Je veux dire, cette fin de partie va être sur des chapeaux de roue, va être folle. Il y aura des exécutions comme anti-bête normalement et c'est tout. Gros mâche. Sous-chef. Une exécute qui pop. Et ça. Une exécute qui pop. Une arme. Il reste une arme. Un crush vase. C'est maintenant que ça devient compliqué. Il lui reste baston également dans le jeu. Normalement, si je fais ça, il peut faire arme gros mâche, mais je ne meurs pas. Si je dis pas de bêtises. Ouais, il fait. Non, c'est pas bon parce qu'il fait gros mâche sur moi. Ah, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur parce que là, il fait arme et il me fait gros mâche sur moi et je décède. Zut, flux de parachute. Plus ça les face, donc en fait, du coup, c'était bien pourri. On va se heal. Oui, j'ai plus de cartes. J'aurais peut-être dû faire autre chose. Je sais pas. J'aurais peut-être du Malxtraza. J'aurais peut-être dû tenter le Drake. J'aurais dû faire Drake et Nova Givre. Et risquer la baston. Ouais, mais non, c'est parce que je vois ce que je vais faire, mais en fait, je vais mourir là-dessus. Après, de plus avoir de moyens d'enrager gros mâche. Ah, donc, je vous parlais. Fabricant d'armure. J'aurais dû faire le spice peut-être, mais j'étais mort. Marmotte, vas-y, réfléchis, t'étais mort. Marmotte, t'étais quoi? T'étais mort, ok. Bien. Tac, tac, tac. On va se passer à 15. Ouais, c'est mouton qui s'arrive un peu tard peut-être. On s'est rapproché un peu. Je crois que j'ai perdu. 2, 5. 2, 5, 6, 9, 13, je prends 2, 15, j'ai perdu, c'est ça. C'est la moyenne de l'orage, je suis mort, c'est sûr. Et ben elle avait un tourbillon, dommage, j'ai pas joué à grand chose cette game. La combo a failli passer, mais bon, j'étais foutu dans tous les cas, elle avait encore le tourbillon. Je pouvais pas gagner, parce que là en fait, il me descend à 2 points de vie, mon bloc de glace proc, mais il y a la fatigue au prochain tour, et c'est la défaite. On va retenter le match. C'est pour avoir un autre match-up cette fois-ci, qui se passe un petit peu mieux. Croisons les doigts, Carré contrôle, c'est vrai que c'est pas le plus facile. Bon. Bon, jeu assez sympathique. Malheureusement, guerrier contrôle, c'est vrai que c'est un peu tendu. Ah ben, un nouveau guerrier, est-ce que c'est le même? Je ne sais pas si c'est le même. En tout cas, une main de départ moutonesque et moutonnière. Qu'on va garder également ce terme traite si c'est un truc aggro là, si c'est un comment ça s'appelle un grim patron, peut-être la revanche. Hop là. Ok, donc rien tour. C'est mal parti. J'aurais peut-être pu jouer Major Domo. C'est toujours le risque avec Major Domo, c'est qu'il perd tellement de points de vie que c'est jamais facile. J'aurais peut-être dû essayer de le poser plus tard, attendre. Je ne sais pas. Alexstrasza qui arrivait tout à la fin aussi, m'a un petit peu enquiquiné. Mais bon. Ok, donc cette fois-ci, c'est bien un Grim Patron. De type Patron, bien entendu. Allez, on va voir ce qu'on récupère. Bloc de glace, ok. Peut-être un petit mouton, prochain tour, une barrière.
tout cas, on ne se fera pas one shot, c'est une bonne chose déjà. Il ne montera pas trop en armure. Ok, la crise de souffrance. C'est sur moi des mots à l'oreille. Par contre, il a pioché beaucoup avec sa carte. Et on pourra Krajoz next turn, ce qui est loin d'être mauvais. Même si j'aurais préféré Krajoz dupliqué. Ouais. Bien. Bah du coup voilà le Krajoz, je vous en ai parlé. Bonjour, c'est Monsieur Krajoz. Il y a moins d'antibêtes dans le jeu en face, bon même si c'est des antibêtes par les créatures. Du coup c'est pas mal non plus. Après, certainement le dépop d'une manière ou d'une autre. On va poser la justicière curve. Next turn. Double mouton, c'est l'avantage s'il y a beaucoup de nains de pouvoir tous les dépop. Eh ben non. Moi que ça inner rage. Sur la 1-3. Tiens, inner rage or not. Pas du tout. Bon, on va le dépop du coup. Oh, pas mal ça. Ça me ferait presque hésiter à le copier vu que je doute qu'il va mourir au prochain tour. C'est quand même fort de copier les Krajoz. On va copier du coup les Krajoz. Et on ping. On va copier les Crash Vase, qui est un petit peu mon meilleur assurance survie contre Grim Patron, contre les One Shot. Allez. Donc il doit se dire qu'il joue contre Mage Echo Giant ici, alors que pas du tout. Parce que c'est vrai que les seuls qui mettent des Crash Vase, des créatures, c'est bien Mage Echo Giant. Donc. Allez, la hache. Face. Ouhouhou. Reface. Ouhouhou. Pas du tout, pas du tout. Il va pas le tuer. Ça parce qu'effectivement il a peur du dupliqué. Mais s'il le tue pas, moi je vais attaquer. Sans doute, c'est bien. Ok, rage de combat 2. 10 cartes en main. Ok. D'ailleurs qu'il joue quelque chose d'une manière ou d'une autre. Donc il attaque. Il attaque, 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 attaque pas. Gibbon, gibbon, gibbon. Le gibbon est un singe. Des fois il se cache. C'est un gibbon caché. C'est une carte magique le gibbon caché. Incroyable. Avec des petits singes au milieu de l'écran. Gibbon, allez, hésite à attaquer. Shoudek, ravage, ornote. Alors voilà, le gibbon est un nom vernaculaire ambigu en français pour désigner plusieurs espèces de primates de la famille des Zilobatidae dont certains membres sont appelés Oulok. Merci Wikipédia. Alors, 2, 4, 6, 7. Pièce. Acolyte, c'est bueno. Ah, maîtrise, c'est de flûte parachute. C'est moins sexy pour moi. Bienvenue au grand tournoi et Explosion Fire Week, Level 2. Allez, il va pas tarder à faire pop les nains par dizaines de milliers. Des nains sous tous les murs, tous les chalets. Station totale. Infractable. Que peut faire cet adversaire? Oh, il tape dedans. Oh là là là, il reste une 6-3, la folie. En tout cas, l'avantage, c'est que vu que mes créatures sont assez grosses, elles sont reloues pour lui à tuer. Ah, bon, d'accord, ça aussi c'est relou pour moi. Je ne vous le cache pas, ça aussi c'est relou pour moi. Je peux faire double mouton tout clean. Ah, j'aime pas trop. J'aime pas trop. Je peux plutôt en tuer un, une fouille. Dans un caribou en plastique. Voilà. Poum, poum, poum. Ouais, j'ai déjà le ping une fois, au cas où en fait il me tue les deux, comme ça je pourrais le reping et le tuer la prochaine fois. Tout en posant un crash vase. Sinon, faut qu'on crime patron. Le but c'est de pas avoir beaucoup de créatures sur board et pas de lui laisser beaucoup de créatures. Si t'enlèves ces deux problèmes, ça peut le faire. Après là, un autre souci que j'ai, c'est que je n'ai pas beaucoup de. Je n'ai pas de choc de flamme en fait. Voilà. Il manque le petit choc de flamme qui irait bien à la place des deux moutons pour tout clean parce que là, ça va être commencé pour être le tour de la combo. Oh, pas encore. Il se conserve, il se conserve. Maintenant, c'est où va-t-il tapoter? Ou qui va-t-il tapoter? Donc j'en ai aucune des deux exécutions. Non, encore pop. Une deuxième main entre Xnome. Pas de problème. Ah, une rage intérieure. Pas de problème. Ça sent le double, la double sauce là-dessus. Voilà. Avec le petit coup de hache qui va bien après. Oh, un tel arcade, ça c'est plutôt bon pour moi. 2, 4, 6, 7, 8. Auspice funeste. 9. Le petit coup là.
Le petit ping au cas où, éventuellement, qui peut être pas mal. Ah, malheureusement, c'est tout pour le moment. Pas de choc de flamme, pas de Nova non plus. De choc de flamme de Nova dans les 15 cartes restantes. Bon, je prends pas trop cher tant qu'il n'y a pas Torii-san. Le moment où il y a Torii-san, je vais prendre Kamehameha dans mon slip. Mais en attendant... En attendant, tout se passe bien. Tout se passe parfaitement bien. Alors là, mais Gibbon. Gibbon non, Gibbon nous. Gibbon nous, non, même l'amour. Là, donc le trade. L'armor. La fin de tour. Alexstrasza dans ses gencives. Alexstrasza dans ses gencives. Alexstrasza. Donc là, il va devoir faire un move pour la gérer. Vu qu'il n'a pas de BGH, il va devoir faire soit son heure de bouclier. A priori, il joue la version assez commune en ce moment avec un heure de bouclier de maîtrise du blocage que vous retrouvez dans une autre vidéo que j'ai fait. Heurteur exécute. Le mode heurteur du jeu. Et l'exécution qui a pop. Pop, l'exécution. Voilà, l'exécution que voici, que voilà. Il n'y en a plus qu'une autre. On peut donc tenter de... Je suis assez tenté de poser le Drake. Oui, je suis assez pensé de poser le Drake uniquement parce que j'ai aucun autre move à faire. Même s'il n'y a plus de Drake dans le jeu, tant pis, il n'a pas forcément la dernière exécution du jeu pour le clean tout de suite. Et ça lui met une bonne pression à lui-même. Peut-être qu'il va être obligé de taper dedans, perdre des points de vie. Du coup, un major de mots solo à la fin. Tout vite par tour, quoi. Pour être pas mal du tout. Sauf qu'il a pioché beaucoup plus que moi. Du coup, si jamais on doit arriver à la fatigue, peut-être. Ça peut être important. Allez, c'est parti, a priori. L'officier, officier champ de guerre. Un nain, un berserker, un nain, un berserker, un nain. Et c'est le nain qui pop. Et c'est le nain qui court. Qui court et qui... Ok, ça face. Deux nains pour l'instant. Dona, dona. Dona, dona. Là, dona, j'imagine qu'il y a un tourbillon qui va arriver. Ou alors, deuxième exécute. Le tourbillon qui pop. Ouais, par ici, bagarre générale. Venez par la bagarre générale ici. 12 points de dégâts pour l'instant de la mammotte. Ça trade une fois. Ça trade les donas là. Ok, c'est pas oufissime en fait. Ce qu'il a fait. Petite combo en fait, mais qui est loin d'être ouf. Du coup, ça, toi tu meurs, t'es trop relou. Toujours si je peux double métamorphose les donas en fait. Je crois bien que si. Dans le monde des marmottes, je suis obligé de double métamorphose. Le problème, c'est qu'après, j'ai plus aucun moyen de gérer un éventuel Torii-san. Tant pis. Le problème, c'est que je veux pas laisser pop à l'infini. J'aurais bien aimé un choc de flamme ici, hein. Je ne vous le cache pas, ça aurait été OP shit. Après, il reste toujours une exécution, j'ai toujours mon plan hospice, tout ça, hydro, machin, machin. Mais de crash vase, allez, je prends du mouton. Manger du mouton, le mouton c'est bon, le mouton c'est frais. Au moins il a dû gérer mon Drake. Du coup ça l'a forcé à faire passer une combo, du coup dans un officier champ de guerre, c'est gagné. De toute façon le but c'est si on n'arrive pas à passer la combo, comme là il utilise ses gestions dessus, bah c'est de tuer notre adversaire à la fatigue contre Kempraton. Tout simplement, tout simplement. Là je suis à 22. Peut-être même balancer un heal maintenant. Oh, Torii-san, tiens, quand on parle du loup, on envoie le marteau magique. On va poser le marteau magique alors. Oui, je détiens la force toute puissante. Ça va pouvoir permettre de faire crash-vase-ping. Si je meilleur survie, crash-vase-ping. Pour l'instant, il a pas de quoi le détruire. Il veut absolument pas poser son deuxième officier champ de guerre. De toute façon, dès que le deuxième officier champ de guerre pop et que je le détruis, que j'ai pas pris trop de points de dégâts, c'est gagné parce qu'il ne pourra plus rien me mettre en charge. Il laissera la fatigue avant moi. Surtout que j'ai encore. J'ai plus Alexstrasza, je l'ai mis dans la gueule. J'ai encore mes deux robots antiques, j'ai crash-vase, j'ai major de mots. Major de mots, mine de rien, si je peux pas le gérer, bah ça reste une 9-7. Et oui, et les 9-7, ça tape. Grave. Grave, grave, grave. Bien, bien, bien. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous mettre la decklist. Bah vous l'avez, elle est là. Vous l'avez au début de la vidéo en même temps. Mais vous l'avez maintenant. Vous l'avez maintenant. Comme ça, c'est le petit bonus pour tous ceux qui regardent la vidéo jusque là. Pour ceux qui vont voir cette victoire incroyable. Ok, le gibon. Ok, la morsure, changement d'arme. C'est la dernière morsure du pack. Et il reprend masse. Point de
dégâts. Et ça, j'aime. Quand je combat 1, a priori, il va chercher une carte. Notamment, peut-être, cet ami. Torisanesque. Ok, Lanova qui sera très très solide. Sa dernière exécution pop. Allez, on remet du heal, on ping. On fait croire qu'il est pas bien. Je crois qu'il est pas bien. On a double mouton. Il nous manque comme ça de ces deux chocs de flamme pour que je sois vraiment serein. Parce que là, le plan qui consiste à Nova Hospice, c'est toujours risqué contre un jeu Crime Patron. Aussi le board est full. Ah, mais bon, on va bien voir. Comment il va gérer tout ça? Est-ce qu'il va devoir taper dedans? Est-ce que par taper dedans? Est-ce qu'il va pouvoir protéger Torisan? Est-ce qu'il ne va pas vouloir protéger Torisan? Surprise, surprise. Ah, bah voilà, Torisan, le voici, le voilà, on en parlait. J'imagine qu'il va même pas essayer de le protéger, forcément. Je ne peux pas tuer mon adversaire. Voilà, je ne peux pas le tuer. Parce qu'il est trop de points de vie. Ah bah voilà, le choc de flamme, tu l'appelais. Tac, une fois, tac, deux fois. De toute façon, il n'y a plus de secret dans le jeu. Et on reping. 4 cartes, voilà. Donc là, il peut nous one-shot. Je sais même pas s'il peut mettre 30 points de dégâts quand il y a 0 créature sur le board en face. Avec un Torisan qui reste qu'un tour. J'avoue que j'ai un petit doute. De toute façon, après, même s'il le faisait, ben derrière, on a des crageoises, on a du heal, on a choc de flamme. Je suis pas inquiet outre mesure. Surtout sachant qu'il n'a plus qu'une arme à 1. Si l'on joue. Une arme à 2, pardon, une hache à 2. Si l'on joue. Comme je vous dis, 30 points de dégâts, voilà, c'est bien ce que je me disais. It's impossible. De toute façon, là, j'ai plus qu'à attendre son move. Hein. Et j'ai envie de dire, ok, deuxième bloc de glace au cas où, en plus, 2, 4, 6, 8, 9. Le plan, si jamais une fois, au moment où il fait la sortie de fou, je fais bloc de glace, choc de flamme à plus. Bisous poulet. Et je suis très très loin de la fatigue, alors que lui, il y arrive bien avant moi. J'ai strictement plus rien besoin de faire. Je le laisse mourir tout seul. En gérant, au fur et à mesure, c'est vilaini. Il a pu utiliser un tourbillon. Pas de une inner rage, aussi inner rage, un tourbillon. Peut-être une goule également, certainement. Bref, que des cartes qui meurent facilement. Et maintenant, que vais-je faire? Et maintenant. Ah, il hésite, il est en train de calculer dans sa tête, dans tous les sens, calcule. Ah, est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas, est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas. La réponse est, allez, officier champ de guerre qui est parti. Aura-t-il le temps de faire tous ses moves? Berserker. L'ami Berserker écumant. Le deuxième Berserker écumant. Le tourbilol. Oh, inner rage. Avant le tourbilol. Et ça tape, tape, tape. Allez, ça... Full face, est-ce qu'on a l'étal de la marmotte et si, est-ce qu'il y a le tourbillon derrière pour essayer de mettre les 30 points de dégâts en un coup? Va-t-il finir son tour? Il n'a pas fini son tour. Ça a explosé, il n'a pas le temps de finir son tour. Avec qui a-t-il attaqué? Avec qui n'a-t-il pas attaqué? Roulement de tambour, venez par ici. Oh, il y a le tourbillon qui était là. Il a même pas attaqué avec la 5. Ah, si, il a eu le temps d'attaquer avec la 5, hein, je crois. Pas du tout. Parce que moi les berserkers vont attaquer. Bon, les berserkers vont faire le taf. Ils vont faire péter le bloc de glace. Le truc derrière c'est qu'il se prend un bloc de glace, choc de flamme, il va poser son arme, il va attaquer. Derrière ce sera le heal et le crash vase. Boum. Et boum. Voilà, donc en plus il me le fait péter quand je reste à 8 points de vie. Du coup, bien entendu, c'est très très bon pour moi. Bien entendu, on n'est pas manœuvre, donc on met le petit désolé, le petit choc de flamme, le bloc de glace. Et la fin de tour. Et là il est perdu. Et là la concession est imminente. Donc ça on peut aussi gagner comme ça. En mode contrôle, en mode gros contrôle sale. Même pas besoin de majeur de mauvais, il a presque plus de cartes. Là, il sait qu'il est mort à la fatigue. Quand même, avec son arme, il ne me tuera point. Et c'est GG. Bon, on n'a pas pu voir de kill dans cette vidéo. Mais il faut savoir que le kill chambellan, tout ça dragon, c'est le kill un peu popcorn. Si on arrive à le faire rarement. Parce que c'est très dur à cet thème. Et plus souvent, en fait, on tue comme ça à la fatigue. Ou avec des créatures de merde, ou ce genre de choses. Mais écoutez, on ne verra vraiment pas le chambellan. Allez, le petit ping. Hop, le petit heal qui va avec. On est à 16, il se ping, il prend les points de dégâts et il va concéder. Voilà, bah écoutez, voilà, je pense qu'on a bien montré comment fonctionnait le jeu. La première, c'est pas joué à grand chose, on a fini pour faire passer un combo. Il a manqué un petit anti-bête. La deuxième, contre Green Patron, vous voyez comment ça joue en mode ultra défensif. On gère, on ne sait même pas de lui mettre de points de dégâts, direct, on n'a malheureusement pas survécu. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne Turk Mart, elle est incroyable et formidable, elle est là. Par là-haut, là-haut. Si jamais, au milieu, là, à ma gauche, il y a un magnifique siège avec les réseaux sociaux, forcément, Torque et moi-même. Si jamais vous voulez voir le chasseur midrange, comment il a changé avec le grand tournoi, avec les élèques royaux, notamment dedans, c'est juste au-dessus.
magnifique vignette avec une marmotte et un lion. Si vous voulez le voir, l'ami Jérémy, avec un deck full random qui fait n'importe quoi et qui, comme d'habitude, se fait déchirer, mais en faisant l'avion et avec un arc nerf, c'est à votre gauche. Pour moi, à votre droite, pour vous également. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao YouTube!